explorer Yeah. de retour Bonjour. avec mes belles lunettes. Bon, bah on est retour tranquillement sur notre planète. Alors une chose qu'on nous a dit, tiens dans les commentaires, alors apparemment il fallait faire des fusées avec coffre. Au final, ben non, pas besoin. Les fusées ont perdu le soundbound qu'on leur a mis quand tu reviens sur la planète, donc ça sert un petit peu à rien ce bouquin. C'est un petit peu dommage. Et dernière chose, pour faire de l'oil, apparemment il faut mettre du bois dans un crucible furnace. Alors, est-ce qu'il nous reste des crucibles? Je crois qu'on en avait fait en trop. Yes. Il y a un crucible. Enfin, un crucible chaudron ou un crucible furnace? Faire de l'oil. Je crois que c'est un crucible furnace. Chaudron. De toute façon, il n'y a que ça, un crucible. Et du coup, ça m'a fait penser, on n'avait jamais fait, mec, la quête. La quête, la quête, la quête, la quête. Quête. Du. Oh, so we need ingot! Bon, allez, vachement simple à faire. Vous allez voir, hop, pour faire un lingot. C'est un lingot qu'on doit faire, je crois, ouais. Il nous faut des nuggets. Non, il nous faut faire cuire ça, pardon. Et ça, il faut un diamant, un flint et trois osonite dust, qui est de la redstone, de l'or et du fer. Relativement simple. Donc épée court de partout. Je sais pas ce qu'il fait. Le sac 1000. Ah, le Sagmil! Le Le fameux. fameux Sagmil. Bon, on a plein de ressources. Tiens, je vais mettre ça. Alors, une chose aussi que j'ai découvert, avec ce que vous ramenez, notamment de, bon, des autres planètes, hein, c'est Galacticraft Planète, donc de Mars ou pas, notamment l'iron ore, surtout, n'allez pas le faire cuire. La technique consiste tout simplement à balancer votre iron ore dans le Chemical Decomposer, parce que pour chaque or, vous obtenez 3 de fer dans le Chemical Decomposer. Alors que si vous le faites cuire, vous obtiendrez que 1 de fer. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Normalement, regardez. Hop. Iron ore utilisation. Donc voilà, quand on le fait fondre, on n'obtient que de 1 de fer. On peut utiliser le Swag Mill pour obtenir 2 d'Iron Powder. Donc on le double. Ex Nihilo Hammer, bon, là on a un pourcentage de chance d'avoir ça. Sinon, c'est les QED récipice, mais je crois que c'est difficile de faire un QED. C'est pour ça qu'il me faut le 5000 avant. D'accord, voilà. Et là, avec du charbon, on obtient 3. Mais avec un chemical décomposant, on obtient 48 de fer. Et 48 de fer, voilà, un fer égale à 16 de fer. Donc ça fait 3. C'est assez intéressant. Sinon, t'as du dash. Ouais, j'ai du dash, tiens, tiens, c'est pas la Bon, dash, faut regarde. 4. Regarde-moi tout ce dash. Ah oui, d'accord. Ah, j'en avais pris masse. Ah, bah ça va. Ouais, on a le stock. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, du cheese curd. Donc voilà, décomposer. Et non seulement ça, mais en plus, du coup, c'est plus rapide à décomposer et à recomposer de l'autre côté. Et par contre, c'est pas valable. Je crois pas que c'est valable pour. Si, ça doit être valable. Bah oui, c'est valable pour tout. C'est valable pour le copper, c'est valable pour le. Vive! Mindshame. Hop. J'en ai obtenu 4, merde, il me faut un diamant, il n'y a pas un des diamants. Ah, il me faut un flint, un diamant. Le diamant est de l'autre côté. On Faut va y du arriver. bois. Bah, il y en a plein le tonneau là. C'est pas faux. On a plein de nanotubes. Il me fallait un diamant, bon, ça va, il nous reste 15 diamants. Alors aujourd'hui, je voulais commencer à faire un peu du Stargate aussi. Pour faire des portails entre les planètes. Là, tu fais cuire Je la suis dèche. content. Pouf. Hop, attends, t'as fait quoi? T'es où? Dans la grande salle. Ça me sert! Ah! Bah non, c'est la raffinerie ça. Ah non! Oh, le swag mill! Oh, mec, on produit tellement d'énergie que normalement ça devrait pas être un problème. Ouais, c'est justement. Et puis il va y avoir un four qui va être fait juste après, donc un four qui cuit très rapidement. Ah ouais, vas-y, fais-moi le four qui cuit très rapidement. Je sais plus le nom. Ah oui, mais il faut que j'en refasse ça parce qu'il faut que je fasse un bloc de pure Osonite Dust, je crois, Ouais, c'était ça. pour le mettre en dessous. Alors attendez, attendez, on retourne. On va en refaire. Donc il me faut encore un diamant Ça coûte et cher. 8. Hop. Toc, toc, toc.
Ça coûte assez cher, mais bon. Surtout quand il faut du dèche, c'est bien. Bon, après le dèche, on peut retourner en chercher s'il y a besoin. Bon, pendant ce temps, ça s'est quasiment tout décomposé, mais pas entièrement. Donc, on va prendre tout l'iron, on va le mettre tout ici et brrr! Voilà comment brrr! Comment obtenir du fer. J'en ai 13 en rab. Là, j'ai eu un stack plus 8 de fer et il reste encore beaucoup à décomposer. il me fallait du flint. Et vive l'alloy smelter, oui. Ah oui, l'alloy smelter, c'est trop bon, ça cuit tellement rapidement là-dedans. Alors maintenant, je fais le QED. Ah bah tu vas pouvoir faire le QED. Alors le QED, le seul problème, c'est qu'il utilise du charbon pour cuire à peu près tout. Après, c'est assez intéressant. Est-ce que ça marche? Ouais, en plus ça les cuit 3 par 3, l'alloy smelter. Par contre, il nous faudrait des... Est-ce qu'on Des peut... capacitors. Ouais, les capacitors, mais ça coûte cher là aussi. Alors les capacitors sur Ender.io. Voilà, les octadiques, hein, les plus intéressants. Bon, après on commence généralement déjà un basique capacitor. Oh bah non mec, c'est du copper, de la redstone et des gold nuggets. On fait des basiques? Je crois même que les basiques, tu pourras pas les mettre dans les machines, faut faire Non. l'advanced. Il faut faire les double layers déjà. Ouais. Mais les double layers, il faut de l'énergétique alloy et ça va, ça se fait assez facilement. On va faire un peu d'énergétique alloy, de toute façon on en aura besoin. C'est redstone, or et glowstone. Perseus, tiens. Oui, de toute façon, il y a tout ce qu'il faut dans le chest, donc bon, ça devrait le faire. Moi, je fais le QED, du coup. Ça va coûter un peu cher en diams. Ah ouais? Est-ce qu'on a vraiment besoin du CUD? Ou bah si tu veux tripler tes minerais, ouais. Ouais, oui, c'est vrai, c'est pas bête. Pour les faire cuire. Puis l'enderperle, on sait pas ce qui manque, alors bon. Hop. Alors, claim reward, tiens, on va prendre celui-là. Donc, eh ben c'est cool, on a fini All a Whole New Moon. On a fini toutes les quêtes. Et du coup, j'ai un pur obsonite bloc qu'on va pouvoir mettre en dessous d'un crucible. Tiens, à la place de ça. Comme ça va beaucoup plus vite dans le crucible. Non, je vais plutôt le mettre là-bas. Alors, on va essayer la technique du bois pour produire de l'oil. Non, c'est toi qui as récupéré le stack de bois. Tiens, on voit. On a du quartz. Non, par contre, on peut en faire. Je sais plus comment, mais on peut en faire. Alors, attendez. Non, c'est des planques alors qu'il faut mettre dans le crucible. Eh les mecs, comment on fait de l'oil? Vous m'avez menti. C'était pas du charbon? Je m'en rappelle plus. Pas de recette pour le crude oil. On m'a dit dans le crucible. Non, je peux pas mettre ça non plus. Faut rien mettre. Bon, attendez, je vais aller voir qu'est-ce qu'il nous faut dans le crucible pour que ça marche. On a pas c'était que ça marche pas, c'est sûr. Alors, c'était une feinte, effectivement, vous m'avez bien dit. C'était bon, c'était bien du bois, mais ça marche pas avec le dark. Ouais, il faut forcément que ce soit le bois standard. Oh, ça va, c'est Donc. x8 et... C'est Mais quoi? c'est cuisson x8. Avec. Attends, il paraît que je peux. Ah, voilà, je peux réactiver Wayla. Cuisson. Oui, x8, c'est à cause de l'osmite. Pratique, hein? Ça, c'est bien. Devrait en rajouter plus. Ok, on a 300 millibuckets. Alors attends, je me demande si on peut pas transformer. Hop. Alors pour info, le QED il est déjà fait. Ah, ça se fait avec de la cellulose. Et si je prends le Dark Oak. Ouais, c'est bon, mec, je peux le transformer le Dark Oak en Oak normal. D'ailleurs, on a de la cellulose à nous produire masse carbone. Ça, c'est intéressant. On va avoir besoin d'énormément de charbon. Hop. En même temps, tant mieux. Et alors c'est 8 de carbone là où je sais pas quelle est la meilleure. Hop, le Dark Oak fournit combien? Ah c'est 50% de chance. Ouais ok. D'avoir 8. Parce que c'est ce qu'il nous faut c'est des blocs de charbon et pas des blocs de char. Ah mais je dois. Attends le charcoal. Est-ce que je peux décomposer le charcoal? Oui, peut-être que tu peux le refaire en call. En coal, ouais, ce que je suis en train de voir, est-ce qu'on peut le. Ouais, mais sauf qu'on a 82% de chance, donc on a eu de la perte. Après, je pense qu'on passera comme ça, ce sera plus intéressant. Attends, pendant ce temps, le fer est toujours en train de. Ah oui, d'accord, ça m'a pas tout pris. Ça déconne un peu les.
Ça fait ça, comme ça. C'est dans quoi déjà? Un... Sieve. Ouais, bah c'est ça. On va attendre que tout sphère se termine. Good. Yep, ça se fait. On n'a pas une poubelle par là? Je Bah t'as suis... la trash au pire. Ouais. Ah, attends, j'ai pas vu qu'est-ce qu'on avait dans le reward bag. Les colorants. Ah bah tiens. Ouais! Trop bien! Ah j'aime bien. Alors, le fer, c'est terminé. Et voilà, on a notre dernier stack. Du coup, moi, ce que je voulais décomposer, c'est entièrement ça. Ça nous donnait beaucoup de cellulose. On va recommencer. On va faire un peu d'oil. Juste pour en raffiner un petit peu. Et du coup, après, comme je vous l'avais dit, je veux faire Même. des trucs de Stargate SG1. Si on peut faire une porte des étoiles, ça pourrait être vraiment swag. Vous voyez, on peut crafter des chevrons. Apparemment, ça doit être le truc de commande. Je sais pas comment ça marche. Bon, il nous faut du Nakoda, il nous en faut 64. Et pour ça, il faut du Vénus Cristal. Donc, il va falloir qu'on aille sur Vénus. Vous nous avez conseillé également d'aller. Hop. Et on essaiera d'y aller. Alors attends, comment on fait du wood? Du oak. Ok, c'est 2, 2, 2, 2. Ah, mais on peut. Oh, mec! On peut transformer. Ah oui, par contre, on a de la perte. Et on a une perte. Ok. De 50%. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on a du sable à gogo? On peut en faire du sable à gogo. Ah bah oui, je suis con. Non, c'est bon, j'ai trouvé. Bah attends, je t'en fais un. On a le. Justement, on a le modular crusher. Tu mets de la cobblestone et t'obtiens du sable dedans. Oh, bien. Hop, hop, hop. Je crois que je peux le faire d'ici. Il y a un dernier truc aussi qu'on voulait tester. Non, je sais plus si c'est possible. Là, on a des quartz ici. Ouais, bah c'est magnifique. Dans le sac mille aussi, je peux faire du sable à gogo. Mec, le feu marche dans la bouboule de d'oxygène. On essaie de faire un portail du Nether du coup. Bah on l'avait déjà fait. Ah, on l'avait fait en bas et ça s'activait pas, c'est ça? Non, ça Non. s'active. Mec, ça s'activait pas parce que pas d'oxygène, non? Non, c'est qu'on pouvait pas y accéder. Ah, je me souviens plus. Bah dis Mais donc, bon. l'Alzheimer commence tôt. Ouais, t'as vu ça? Bon mec, par contre, on a tellement d'obsidienne, ça sert plus à rien. Après, ça produit quoi? Ça produit que Silicone. du silicone. Est-ce que le silicone est Bah on en a intéressant à un besoin pour moment? certains trucs donc Ah si, pour faire du dark steel, mec, c'est intéressant. Il nous faut du coal dust, de l'iron et du dark steel, on en a besoin dans Dario. On a besoin pour pas mal de choses. Bon. ça va être encore un truc vachement cher ça. Non, c'est du fer. On va manger ça. Hein. Du fer, du coal dust et de l'obsidienne. Et justement, c'est l'obsidienne qui est relou à avoir. Mais là, du coup, c'est pas un problème. Bon, bah voilà. Et on a fait. On a toujours notre bedrockium drum, mais qui est vide. Mais qu'il y a tellement rien là-dedans. Faut que je mette plus de bois là. Vas-y, fais-moi des vibrantes. Les vibrantes de Alors, donc. l'amour. Donc voilà, on est en train de faire tout ce qui est. Maintenant qu'on a du dash, ça ouvre plein de possibilités. Donc on fait tout ce qui est Ender IO avec l'alloy smelter, le swag mill. Ah, t'avais besoin de. De. Comment ça s'appelle? Deux. De silicone. Ouais. Avec le sable. Alors là, ça produit du sable, hein, si jamais dans le. Ah, il est là, le ked. Ah oui, il faut faire des Enderflux cristal. Pour ça, je peux en faire que deux parce qu'il me manque des blaze powder. Ouais, on doit pouvoir en obtenir des place powder aussi. J'ai mis ce qu'il faut dans le sieve. J'ai mis de Ouais, la c'est moon de dirt. la dust. La dirt, ouais. Bon, Ouais, ça bon, fait ça. plus autre chose que de la blaze, mais. Va finir. Ah oui, bah justement, en parlant de ça, on a moyen d'accélérer nos sieves. Hop. Comme je l'ai dit, hein, ça débloque 36 milliards de choses. Je suis en train de faire Avec. la fortune. Oh, bah tu fais la fortune upgrade et la speed upgrade aussi. Ouais, cependant ça va bouffer plus d'énergie.
Ouais, mais c'est pas grave, mec. L'énergie, on est tranquille. façon, après, on aura juste upgrade les câbles et puis YOLO, hein. Oh oui, mais même les câbles là, je pense qu'ils. Combien c'est quel... combien ils 6, transfèrent ceux-là? 640 RF. Oh, 640 RF par tick, on consomme combien? 40 pour celui-là. Généralement, ils sont pleins, donc du coup, on produit plus. 40. Et celui-là, je sais pas trop. Bon, ceci dit, là, je vais te dire, on génère tellement avec notre. Bon, de toute façon, c'est complètement full, c'est fini à la poubelle. Ah tiens, pendant ce temps, mec, on a trois quintuples compressés de cobblestone, hein, au passage. La vache. Oh, c'est cool, ça va tranquillement. Vas-y, je le cut, le... ça sert à rien, ça consomme de l'énergie pour rien et on n'a pas besoin de redstone comme ça. Bah c'est bien, ça avance. Bon, je pense que la partie intéressante maintenant, c'est certainement l'exploration. Faudrait que je Ouais. coupe ces arbres là. Pour faire du Naquada. Bon, on va attendre de finir ces petites machines et puis on revient vers vous après. Une fois qu'on a construit tout ça. Oui. Et de la lave. Épée en train de faire des trous. Ah, de l'eau. Bah ouais, c'est mon truc pour choper de la cobble. Nyeh. D'ailleurs, c'est plein ça. On fait ça. Brr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 r
De la cobble, il y avait un tuyau aussi là-dedans, ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Bon, certes, ça va 4 par 4, mais disons que ça va plutôt rapidement. Et voilà, ça retourne. Ah bah c'est cool. Tiens, l'hydrogène si t'en veux, toi. Hop. Ah mais non, je suis con. Ouais, en fait, à chaque fois, on s'emmerde pour le carburant. Sauf que, pourquoi s'embêter quand nous avons directement de l'hydrogène présent ici qui nous permet de faire cuire? Et alors, ça dure pas très longtemps. C'est 2 pour 1, je crois. Ouais, c'est ça. Exactement ça. 2 pour 1, mais c'est plus intéressant que d'utiliser du charbon. Bon, qu'est-ce qu'on fait, mon petit épée, maintenant? On a quasiment tout complété ici sur le début. Storage solution, alors il reste internet et black hole storage. Ah si, faut qu'on fasse un dimensional storage aussi, ça va servir. On n'a pas moyen d'avoir des enchantes. Je serais intéressé pour faire des enchantes, mais je sais pas si on peut le faire. On va avoir un truc intéressant après, c'est la fusion. Pour faire des Nether Stars notamment. Mais il faut beaucoup de. Je sais plus quoi. C'est assez compliqué. Pour faire les fusion wall. Fusion. Ah oui, les fusions Il wall. faut du plomb. Ah, il faut des dashingots. Ah bah non, c'est bon, il en faut 16, regarde, on peut faire. Par contre, du plomb, on en a. Et le plomb, c'est un métaux super lourd. Je sais pas comment en obtenir. PB, as-tu de ton du plomb? Non, c'est du rubidium. Attends, je vais virer tout l'hydrogène. Alors, pas le N. Putain, je sais même plus comment écrire plomb. PB. On n'a pas du plomb, je crois pas. On va Ah. regarder vite fait le plomb, comment on en obtient. Ah! Non, on peut avoir du lead. Ouais. Ok, faut décomposer. Ah, bah oui, mais mec, je suis con. Pff, le lead, c'est du plomb. Bah Mais oui, c'est pour ça. je crois qu'on en a du lead qu'on a miné. Voilà, du lead ingot. J'ai pas besoin d'en décomposer autant. Est-ce qu'on ferait pas on commencerait pas notre réacteur à fusion? Oui, ça serait cool. Par Au contre, tu moins les vois, si tu abords. veux du plomb ou un autre truc que je viens de voir. Attends, je ne sais plus quoi déjà. Y a un truc que je veux bien avoir, c'est des carbone nanotubes, un stack. Ouais, on a ça, je crois. Tu décomposes un bedrockium drum où t'as 5000 et quelques leads. Donc si tu veux 5000 et quelques plombs, on a ce qu'il faut. Ah, tu décomposes un bedrockium. Ouais. Sérieux? Ouais. Parce qu'on en a un. Mais il faut qu'il soit plein le. Parce Non, qu'on a un non, bed. vide. C'est stupide. On a un bedrockium drum. Bon, bah, ok, on a plus de problème de plomb. Plomb, argent, silver. Ça va, il y a du style. Ça, c'est cool. Il y a tout dedans. Ouais, il y a vraiment tout. 48, on va en décomposer un dernier pour être à 64. Voilà. Tiens, d'ailleurs, je peux passer mon petit côté pub. Ouais, vas-y. Alors, pour information, pour ceux qui me suivent de mon côté, il y a LTP, la Terre Promise, qui sort le 1er mars à 20h30 en live, avec un site, epfort.evh. Il y a le... Comment on appelle ça? Le décompte. Décompte officiel. Ah c'est cool, tu l'as fait. Je te laisse choisir. Du coup voilà, ça reprend un petit peu tous les... On va pas dire FTP, mais c'est du modpack modé avec des crafts que j'ai complètement changés. Donc ça risque d'être intéressant. Et il y a beaucoup de monde. Ok. Voilà. Pub est Voilà. passé. Voilà, c'est tout bon. Alors attends, faut que je fasse des. Ah ouais, bah tungstène platine, j'ai bien fait d'en faire parce qu'il faut du beryllium et du fucking tungstène. Comment on obtient du tungstène déjà? Le beryllium, tu peux en faire avec la polytool. Bah, tu peux en avoir du beryllium en faisant la quête du polytool. Ok. Ouais, mais j'en ai un peu, mais par contre, il me faut de la nether brick. Lol. Netherrack. Ouais, la netherrack. Mais du beryllium, je crois qu'on en a là-dedans, non?
Non. C'est quoi, c'est BE? Berry. On a du rubidium, on a de la cellulose. Oui, beryllium, c'est BE. La coque. Ah, écoutez les gars, on va se faire un petit rail. On va se mettre bien. Wow! Ouais, bah t'as... Tu vois, si tu veux de la nether brick, fais plus de la netherrack parce que sinon ça va te coûter tellement cher pour faire une nether brick. Ouais, on va faire de la netherrack, mais faut que je regarde comment. Attends, j'ai pris un peu de coke là, je t'avoue que. Ouais, c'est bon, on a 16 de beryllium. Je t'avoue que. Wouh! Alors, il faut du tungstène. Et donc, le tungstène, ça se fait avec de la netherrack. Comme ça, on va finir là-dessus. Et comme ça, on verra enfin Mindchem, la fusion et la fission qui sont intéressantes. Ça, en gros, fusion-fission, ça nous permet de faire tous les éléments du jeu à partir du moment où vous avez les éléments de base. Alors, je sais pas s'il y a des règles pour silicone, oxygène et iron. D'accord. On va faire tout péter. Je sais pas s'il y a des règles pour la fission ou pas du tout. Bah vu que ça va être la première fois que je vais voir le vrai cœur du Mindchem en Parce que fonctionnement. en pratique, tu peux pas fusionner n'importe quoi normalement. Après, en vrai, de ce que j'ai vu sur Mindchem, ça correspond, tu sais, à la valeur de l'élément sur le tableau périodique. Du genre, enfin, par exemple, pour obtenir de l'hydrogène, qui est. Attends, l'hydrogène, c'est l'élément de base? Ouais, l'hydrogène, c'est l'élément de base. Pour obtenir de l'hélium, qui est deux atomes de neutrons. Enfin, au niveau du cœur, tu fusionnes deux hydrogènes. Pour obtenir de l'oxygène, qui est 16, tu fusionnes 16 hydrogènes. Alors, en théorie, en vrai, ça marche pas comme ça. Mais putain, j'ai encore la nausée, mec, c'est infâme. Mais là, apparemment, ça fonctionne comme ça, donc. Enfin, je crois, à vérifier. Alors, il me fallait quoi pour du tungstène? Ah oui, il me fallait décomposer putain d'obsidienne. Ah bah cool, je vais pouvoir faire les doubles layers capacitor pour les machines. Ça va Où être mieux. ça? J'ai un stack. Mais ouais. Pas si j'avais besoin de ça. Il me faut du silicone. Oui, il me faut du silicone. Ah non! Oui, il me faut du silicone, de l'oxygène et de l'iron. On a tout ça. Magnésium, j'en peux plus. Tellement. Je peux pas le décomposer ça. Ok. Oxygène, on a. Ajouter le magnésium. On va mettre un peu de carbone là-dedans. Le plomb, on va le stocker ici. Putain, je cherchais quelque chose, mais je suis perdu. Notre beryllium. Il y en a trop. Tellement facile à obtenir qu'on va tout jeter. Et. Il nous faut du silicone. Ah bah oui, c'est ça. On va redécomposer. Par contre, le bruit des fours qui tournent en boucle... Je l'entends plus beaucoup moi parce que je crois que j'ai viré le. Ah bah non, j'ai toujours le fréquence module. J'ai dû baisser le son. C'est mortel, hein. Ok, on a du silicone, il nous en faut encore un peu, quoique pour obtenir un tungstène, je sais pas si ça coûte très très cher. On va en faire un stack. Et donne-moi du coal. Hop. Ouais, c'est juste un au milieu. Voilà. Toc, toc, toc. Et hop. Que j'ai besoin, mais j'en ai pas besoin d'autant. Hop, donc du coup il me refaudrait ça. Et Ceci. de l'iron! Ouf! Bon, l'oreille de coq, m'a mis bien, mec. Alors! En vrai, ne faites pas ça à la maison. Ah oui, les fours! Violent. Alors, il me fallait du fer aussi. 16 de fer, donc là. 4 pour avoir un stack, donc 8 devrait suffire. Et comme ça, voilà, aujourd'hui on a fait les apprentis chimistes, on a un peu décomposé tout et n'importe quoi dans tous les sens. Voilà, j'ai mis des doubles capacitors, donc normalement ça devrait... Ah, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, 4 fois plus vite, je crois. Ah, il n'y a plus assez d'énergie. Attendons que ça se finisse.
Chérie de la purée mousseline. ouais, ça risque d'être un peu cher, mais ça va. Oh non, c'est bon. C'est juste la redstone du silicone. Alors, donc il nous faut pour ça à deux silicones, un de fer, un d'oxygène. Donc il me faut plus de silicone. Toujours plus. On en fait pas mal. Silicone, silicone. What is love? Ouais, that is love. La quête. Du vat. Ok, oxygène. Ah, on a plus d'énergie. Bon, sur ce, messieurs. Ah oui, c'est un peu cher quoi. On va se dire rendez-vous à la prochaine. Ouais. À la prochaine, on partira sur d'autres planètes, notamment Vénus. Ouais, y a plus d'énergie, mec. Faut que j'attende. Notamment Vénus, parce que je veux vraiment faire du Naquada. Hein. Moi, je veux faire mes portes de Stargate là. Donc, on ira explorer quelques autres planètes. On a maintenant plus de soucis pour le carburant, parce qu'on sait comment en faire. Puis voilà, on peut se balader partout. Oui, puis moi je vais créer le. Je vais faire le VAT, comme ça on avancera les quêtes. Voilà, alors une des quêtes qui nous reste. Alors, la fusion sera intéressante. Le VAT, c'est pour le more power. Il y a pas mal de choses à faire d'énergie dans tous les sens. Pas trop vu ce que c'était, mais là, c'est des capacitors banques. Donc, ça, on connaît. Il faudra faire le Solar Panel 2 aussi. Ouais. En plus, comme reward, on a de l'iridium. Intéressant. Iridium cristal, ouais. Et puis voilà, après, c'est Stargate SG1, mais. En tout cas, going up to the world, ouais, il manque que les tiers 3 roquettes, ce sera pour aller sur les satellites. Alors, vous m'avez conseillé d'aller sur les satellites de Jupiter, parce qu'il y a énormément de ressources dessus de minerais, mais il faut de la tier 3, hein, c'est ça? Ouais. Donc, on verra ça un peu plus tard. Voilà, messieurs, à la prochaine, ciao ciao ciao! Toutou. Oui, il fait beau.